Bonjour les amis internet. Aujourd'hui, nous allons nous balader à Hong Kong, en Chine. Hong Kong, qui littéralement veut dire « port au parfum », est une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Elle compte environ 7 millions d'habitants que l'on appelle les Hongkongais. Hong Kong est située dans le sud-est de la Chine, sur la mer de Chine méridionale et la rive orientale de l'estuaire de la rivière des Perles, au sein de la mégalopole du delta de celle-ci. Elle occupe une péninsule montagneuse et des îles dont les plus grandes sont Lantau et Hong Kong. Au nord, elle est limitrophe de Shenzhen, dans la province du Guangdong. Hong Kong est devenue britannique en 1842 à la suite de la première guerre de l'opium. Puis le territoire a été agrandi avec Kowloon en 1860 et avec les nouveaux territoires en 1898. Ce n'était pas du tout une colonie de peuplement, mais une terre peuplée de Chinois qui était ouverte sur le reste de la Chine. Le 1er juillet 1997, l'Angleterre rend Hong Kong à la Chine. Hong Kong devient la première région administrative spéciale chinoise. L'événement donne lieu à une cérémonie retransmise dans le monde entier en présence du prince Charles, alors héritier de la couronne britannique. Déplaçons-nous au marché Tai Po dans le quartier du même nom, un lieu que je voulais vraiment visiter. J'adore les marchés alimentaires. Les visiter lors de mes voyages est une de mes activités préférées. Je les trouve captivants. Je suis tellement enthousiaste de voir tous les produits en vente, la viande fraîche, poissons, fruits et légumes, dont certains que je n'ai jamais vus auparavant. Sans parler de tous les produits alimentaires et boissons spécialisées, avec des stands entiers dédiés à des variantes d'un même produit, comme les nouilles de riz, le tofu, les cornichons, les fruits de mer en conserve, les abats, etc. Les poulets sont exposés vivants, ils sont choisis par le client et préparés par le boucher. Il lui tranche la gorge, le plume et le prépare. Au moins, on est sûr qu'ils sont frais. Et au dernier étage, l'air de restauration, histoire de reprendre quelques forces avant la suite de la journée. Même s'il pleut, sortons donc un petit peu pour découvrir les alentours du marché. Nous sommes au cœur du quartier de Four Lane, les quatre rues en français, quartier qui se trouve au centre du district de Tai Po. Composé des rues Tai Kwong, Tai Ming, Tai Wing et Kwong Fook, Four Lane, les quatre rues donc, a été témoin de nombreux changements dans la communauté de Tai Po. L'ancien port de Tolo, où se trouve aujourd'hui Four Lane, était un lieu de rencontre pour les agriculteurs et les pêcheurs. Au début des années 1890, l'Alliance des Sept, Tsat Yeuk, a établi un temple Manmo, dédié aux divinités de la littérature et de la guerre, ainsi qu'un marché de la paix, Tai Wo, qui a complété l'ancien marché de Tai Po. Très vite, le site de Four Lane devint un port pour les bateaux de pêche et un bazar pour les agriculteurs et les commerçants, tandis que le quai Ren Chiao Tsai accueillait les navires en provenance du Guangdong. Le chemin de fer reliait Tai Po à Kowloon et à Canton, tandis que les réseaux routiers partaient de Tai Po vers le centre des nouveaux territoires. Dans les années 1980, le gouvernement de Hong Kong commença à construire la ville nouvelle de Tai Po sur des terres gagnées sur le port. De nouvelles entreprises, des consommateurs et des touristes ont été attirés par la mer car le marché traditionnel existant et les centres commerciaux modernes se complétaient. Au cours de ces 40 années, Four Lane est devenu un élément central du district de Tai Po. De façon plus générale, le district de Tai Po est constitué de deux zones géographiques, Tai Po, proprement dit, et Sai Kung Nord, couvrant une superficie d'environ 14 800 hectares. Et est le deuxième plus grand district administratif après Island District à Hong Kong. A été achevé en 1981.
avec l'achèvement de l'autoroute Tolo en 1985, Taipo est depuis devenue une nouvelle ville prospère. La première zone industrielle de Hong Kong a été développée à Taipo en 1974. En 1979, Taipo a été désignée nouvelle ville et le premier lotissement public a été achevé en 1981. Avec l'achèvement de l'autoroute Tolo en 1985, Taipo est depuis devenue une nouvelle ville prospère. Hong Kong est l'une de ces villes épiques du monde, une ville verticale, une immense jungle de béton et la porte d'entrée de la Chine. Hong Kong signifie « port parfumé », une référence au vieux commerce des épices qui a fait la richesse de la ville. Nous avons pensé que la ville était un mélange fascinant où la tradition chinoise se mêle à l'Occident. Elle est animée, austère, futuriste et bondée de monde, comme une version plus exotique de New York. La majorité de la population chinoise de Hong Kong parle le cantonais. La langue possède 9 tons et un système de romanisation appelé Jiuping. Avec plus de 8000 gratte-ciel scintillants, la skyline de Hong Kong est toujours un spectacle à ne pas manquer. Son plus haut bâtiment, haut de près d'un demi-kilomètre, se trouve à West Kowloon et est l'International Commerce Center, ou ICC, au sommet duquel se trouve le Ritz-Carlton Hong Kong, dont le bar et la piscine sont situés au 118e étage de l'immeuble, ce qui en fait les plus hauts du monde. Le célèbre Star Ferry de Hong Kong a été inauguré en 1880. À l'époque, le trajet entre Victoria Harbour et Tsim Sha Tsui prenait jusqu'à une heure. Grâce à la réhabilitation de la ville, le même trajet ne prend aujourd'hui que 10 minutes. La partie nord-est de l'île, connue sous le nom de zone centrale, est le centre historique, politique et économique de Hong Kong. On y trouve de nombreux bâtiments gouvernementaux, notamment le siège du gouvernement, le complexe du gouvernement central, le complexe du conseil législatif, la cour d'appel finale et la haute cour, ainsi que de nombreux établissements financiers et banques tels que la Bourse de Hong Kong, l'autorité monétaire de Hong Kong, HSBC ou la Bank of China. Les Hongkongais ont depuis longtemps un esprit d'entreprise et une soif de gagner de l'argent. Dans une liste des milliardaires mondiaux de 2020, Hong Kong se classe au 7e rang. 96 résidents détiendraient une fortune personnelle d'un milliard de dollars ou plus. La côte nord de l'île forme la rive sud du port de Victoria, qui est en grande partie responsable du développement de Hong Kong, en raison de ses eaux profondes, appréciées par les grands navires de commerce. L'île abrite de nombreux sites touristiques célèbres, tels que The Peak, Ocean Park, l'ancien poste de police centrale, Murray House, ainsi que de nombreux autres sites historiques et divers grands centres commerciaux. Les chaînes de montagnes qui s'étendent sur l'île sont également réputées pour la randonnée pédestre. La partie nord de l'île de Hong Kong, ainsi que Kowloon et Tsuen Wan New Town, forment le cœur urbain de Hong Kong. Leur superficie totale est d'environ 88,3 km² et leur population totale d'environ 3 150 000 habitants, soit une densité de population de 35 700 habitants au km². Vous savez que Hong Kong signifie « port parfumé » en chinois. Qu'en est-il de Kowloon ? Chaque fois que vous prononcez le mot Kowloon, vous dites 9 dragons. La légende raconte qu'un jeune empereur remarqua les 8 collines de la région et nomma le pays 8 dragons. Plus tard, un serviteur rappela à l'empereur qu'il était lui aussi un dragon. Cela faisait 9. Kuo sonne comme Go ou 9 en cantonais et Loon comme Lung ou dragon. L'île est souvent appelée localement Hong Kong Side ou Island Side. Le suffixe side est également appliqué à d'autres endroits de Hong Kong. Par exemple, le côté chinois et le côté de la ville fortifiée de Kowloon. Seul vestige de cette dernière étant le Kowloon Side lorsqu'il s'agit des deux côtés du port de Victoria. La population de l'île de Hong Kong a connu une croissance exponentielle après la Seconde Guerre mondiale et la révolution communiste en Chine. Il est devenu évident que les terres de l'ancien district central étaient insuffisantes pour accueillir la population. De nombreuses zones non développées ou sous-développées de l'île de Hong Kong, telles que North Point, Chow Kai Wan, Aberdeen et Wong Chuk Hang, ont commencé leur développement et leur urbanisation. Ces zones ont d'abord été des zones industrialisées. Certaines zones, telles que Quarry Bay, Wan Chai et Causeway Bay, sont devenues plus tard de nouveaux centres commerciaux lorsque Hong Kong s'est éloigné de sa période d'industrialisation, car ces zones offraient des loyers relativement moins chers que le district commercial traditionnel de Central. À Hong Kong, ne vous inquiétez pas si votre immeuble n'a pas de quatrième étage.
Voici deux faits numériques à garder à l'esprit. Au mètre, le chiffre 4 est courant à Hong Kong, car 4 ressemble au mot mort en chinois. Il est donc considéré comme malchanceux. Si cela ne vous semble pas très amusant, le revers de la médaille est que 8 est un chiffre très chanceux. Il représente la richesse. Hong Kong est très connu pour ses célèbres gratte-ciels très imposants, mais saviez-vous que 40% du territoire est constitué de parcs nationaux et de réserves naturelles ? Hong Kong est d'ailleurs réputé pour ses nombreux trails de randonnée. Le principal sentier de l'île de Hong Kong est le Hong Kong Trail, long de 50 km et divisé en 8 sections. Le sentier commence à Victoria Gap, au sommet, et se termine à Big Wave Bay. Les sections 1 et 2 du Wilson Trail traversent les nouveaux territoires de Hong Kong et Kowloon, passent également par le parc national de Tay Tam et son extension de Quarry Bay. De nombreuses plages publiques sont également situées dans le district sud de l'île de Hong Kong, à savoir Deep Water Bay, Ripples Bay, Middle Bay, South Bay ou encore Cheung Hong Kok Beach. Ce sont toutes des endroits populaires pour les sports et activités nautiques. Les plages publiques sont gérées par le département des loisirs et de la culture. Le dim sum est originaire du sud de la Chine et signifie « toucher le cœur ». Ces petites bouchées de bonté ont été créées comme encas pour les voyageurs et font aujourd'hui partie intégrante de la culture locale. Le jour d'après, je le passerai à randonner dans les collines en empruntant le fameux Peak Tram, le funiculaire très célèbre qui vous emmène en haut des 552 mètres du Hong Kong Peak. Malheureusement, j'ai perdu toutes mes photos de ce jour et ça m'attriste beaucoup. L'île de Lantau est la plus grande île de Hong Kong. Située à l'ouest de l'île de Hong Kong et de la péninsule de Kowloon, elle fait partie des nouveaux territoires. À l'origine, une île avec des villages de pêcheurs, elle s'est développée depuis la fin du XXe siècle avec la construction de la nouvelle ville de Tungcheng sur la côte nord-ouest et l'achèvement de plusieurs projets d'infrastructures majeures dont l'aéroport international de Hong Kong en 1998 ou le Hong Kong Disneyland en 2005. Fait intéressant, du sel était produit illégalement sur l'île de Lantau jusqu'au XVIe siècle. Les dirigeants chinois ont alors découvert cette activité illégale et le seigneur de guerre local a exécuté de nombreux habitants de l'île pour cela. Ou encore, Lantau était autrefois une base pour les pirates et les contrebandiers et était l'un des repères de Chiang Po-tsai au XIXe siècle. On accède ici grâce à un ferry depuis l'île de Hong Kong. Le ferry nous dépose au village de Ngongping, c'est un village construit pour les touristes. L'attraction principale est le Bouddha géant de Tiantan. Au sommet du mont Muk Yushan, haut de 479 mètres, à côté de la place principale du monastère, se trouve le plus grand Bouddha assis en plein air du monde. La figure de 34 mètres de haut, créée à partir de 202 pièces de bronze et pesant au total 250 tonnes, symbolise la stabilité de Hong Kong, la prospérité de la Chine et la paix sur Terre. La construction du projet a commencé en 1981 et a été officiellement inaugurée en décembre 1993. Les visiteurs énergiques peuvent gravir les 256 marches pour visiter la salle à l'intérieur de sa base et également profiter de la vue impressionnante en regardant en contrebas vers le monastère. La statue trône sur un lotus au sommet d'un hôtel à trois plateformes. Autour d'elle se trouvent six statues de bronze plus petites connues sous le nom de l'offrande des six devas, qui sont posées en offrant des fleurs, de l'encens, une lampe, une pommade, des fruits et de la musique au Bouddha, représentant les six perfections de générosité, de moralité, de patience, de zèle, de méditation et de sagesse nécessaires à l'éveil dans le bouddhisme. Le monument comprend également trois étages d'exposition interne sous la statue.
les salles de l'univers, du mérite bienveillant et du souvenir. L'un des éléments les plus célèbres à l'intérieur est une relique de Gautama Buddha, composée de certains de ses restes prétendument incinérés. Kaeo est un village de pêcheurs situé au nord-ouest de l'île de Lantau, vieux de plus de 3 siècles. Les touristes visitent Kaeo pour ses centaines de maisons sur pilotis, appelées Pangbuk, bien que certaines de ces maisons aient été réparées après un incendie en juillet 2000 et d'autres après les dégâts causés par les super typhoons et les ondes de tempête qui en ont résulté au cours des années suivantes. Alors que Kaeo est en train d'être revitalisé grâce à une série de mesures telles que de nouvelles signalisations et 2 ponts pour faciliter la circulation des visiteurs, Kaeo conserve la plupart de son cadre historique, comme les voies navigables, les maisons sur pilotis et les bateaux de pêche, et est célèbre pour son paysage de village de pêcheurs dans un cadre montagneux. On y trouve de la nourriture traditionnelle chinoise, comme du poisson salé et de la pâte de crevette produite localement. À proximité de Fanlao, un fort a été construit en 1729 pour protéger la navigation sur la rivière des Perles. La contrebande d'armes, de tabac, de drogue et d'êtres humains reste une activité illégale avérée, tant à destination qu'en provenance de la Chine continentale. Pendant et après la guerre civile chinoise, Kaeo est devenu un point d'entrée privilégié pour l'immigration clandestine des personnes fuyant la République populaire de Chine. Certains de ces migrants, principalement cantonais, sont restés à Kaeo. Kaeo a une longue histoire de production de sel. En 1940, on a enregistré que les marais salants de Kaeo couvraient 70 acres, 28 hectares, et que la production s'élevait à 25 000 picules, 1512 tonnes métriques en 1938. Actuellement, la pêche y est en voie de disparition. Bien que de nombreux habitants continuent de pêcher, cette activité leur permet à peine de subvenir à leurs besoins. Il existe une école publique sur l'île, et la plupart des jeunes quittent l'île lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. En 2000, un grand incendie s'est déclaré, détruisant de nombreuses résidences. Le village est aujourd'hui principalement constitué de cabanes, de squatters et de maisons de surpilotis délabrées. Cette petite visite de Hong Kong s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et bien sûr à vous abonner si vous voulez être tenu informé de mes nouvelles aventures et voyages. Et je vous dis à très bientôt.